Bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Far Cry 4, toujours en facecam. Alors là, c'est la nuit, je filme la nuit, donc c'est pour ça que les couleurs sont un petit peu étranges. Voilà. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est parce que hop, ça fait du flou. Après, coucou. Bon, allez, j'arrête de déconner. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des missions. Ils ont encore des trucs. Dans une mission, dans Yogi et machin, c'est bon, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on va se faire cette fois-ci? Là, j'ai un peu tout fait, on va dire. Hein, j'ai un petit peu tout fait. Il me reste encore. Bon, Shangri-La, on en a fait une là. On ira faire la suivante, pas tout de suite, hein, la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois ou pas. Tiens, mission de campagne pour Willis. Ouais, j'aimerais bien faire une mission. Ouais, et puis faut que je commence un peu à aller continuer à explorer là. Hein. Alors, donc, on va aller se diriger. On va aller se mettre là. On va se refaire une petite santé et puis on va aller explorer un peu. On va aller libérer les clochers et tout ça. Faut que j'avance parce que je suis toujours à 60% du jeu. Donc faut que j'avance un peu. Tu vois là? Ça faisait bizarre, j'ai cru que. En faisant regarder comme ça, je dis merde, mais je suis à l'envers. Non, je suis pas à l'envers. Alors, vendre, oui. Vendre, merde. Non. Vendre rapide, oui. Tac, acheter personnalisé. J'ai des pare-balles, un truc. Plein de munitions, oui. C'est parti. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici lieu inconnu et on va se diriger par là. Hop. Ouais, descendre un peu comme ça. Aïe. Non, ça va. Bon, on va commencer à pied et puis on va trouver une bagnole ou quelque chose sous la. Bah ben voilà, justement. Puisqu'on en parle, ah j'ai quoi déjà comme. Pourquoi j'ai rien là? Pourquoi c'est vide? Ah non. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que c'est vide? Bon bah ben, désolé. Il faut que je retourne me prendre un ch'ti quelque chose. Parce que là, ça ne va pas du tout. Mais oui! Ah, il faut que je retourne combattre dans l'arène d'ailleurs. Voilà. Parce que. Acheter personnalisé. Arme spéciale. Alors, déchiqueteuse, c'est bon. Tac-tac-tac. Perforateur. Ici. Ah, ok, c'est bon, ok, je sais, je sais, je sais. Je vais reprendre des munitions, parce que j'ai peut-être pas de munitions pour celui-là. Ouais. Voilà. Allez, ce coup-ci, on y va. Allez, cours. Cours, Forest, cours. Oh, beau petit saut. Allez, on va se prendre la ch'tite de voiture. Cours, cours, cours. En flingue, on va se prendre plutôt ça. J'aime bien pour l'extérieur, c'est pratique. Non, c'est là-bas. Merci. Allez, go! Bon, je reste concentré, hein. De 800 mètres, quand même, hein. Alors on va le doubler lui. On va se le faire, on va se le faire dans le virage, on va le prendre à la corde. Hop! On a déjà entendu ça. Hum.
On se croirait sur GTA. T'as une mission de campagne pour accéder au nord du Kirat. Ah d'accord. Quelles sont les missions de campagne? Ah ouais, donc là je peux pas y aller. Hop. D'accord. Ah, je peux pas y aller. Bah ouh, mission de campagne. Bon, attendez. Allez. Mission de campagne. Donc là, je peux pas aller là si j'ai pas fini plus de missions de campagne. Mais moi, je veux bien. Je veux bien. Elles sont où les missions de campagne? Hein? On cherche, on cherche. Bon, bah on va faire du Willy. Tant qu'à faire, on va se déplacer rapidement. Bon. Donc, en fait, je peux pas encore accéder à ce niveau-là. Parce que ça va être hyper dur. Alors, t'es où, Willy? Eh, mais attendez, il y a un moulin à tourner, là. Il y a un truc que j'ai pas fait quelque part, peut-être là-haut. Mais je suis pas allé là-haut, je crois. Casse-conseil. C'est par là. Où est-ce que ça pourrait être? Hop, on saute. Aïe. Putain. Ah, je me suis vraiment bien viandé là. Je tiens. C'est l'intérieur là? Ah. Bah oui. Voilà, c'est fait. Bonus de karma attribué. Bon, soit. Allez, c'est parti. On va se faire une petite quête de Willy. AJ, tu tombes bien, j'étais en train de calmer. Ah, bah ça va. Ça y est, ce sera ton dernier job. Tu touches enfin au but. Allez, Ah, monte. dernier job. Allez, on se met à l'aise. Ça va chier. J'aime pas ça. Je viens de boire 2 litres de café, je vais en avoir besoin. Putain, deux litres. Alors, qu'est-ce qu'il va nous, il nous jette généralement? Un sac à un père étrier, gérer et un redonner des objets. Ok. Oui, soit. Je vais t'apprendre 2-3 trucs, mais ce sera pas joli, joli. Ton D'accord. père voulait tuer ta mère parce qu'elle était sur le point de tout laisser tomber. Super. Salvador, le kirat, la cause. Quoi? Un, ta mère était une Hakuna Matata ou je sais pas quoi ce qu'ils disent pour appeler les grandes filles. Deux, ta mère espionnait Pagan alors qu'elle l'aimait bien. Trois, ton père est un patriote et je connais aucun patriote qui soit pas un enfoiré de première. Et pour le reste. Faut qu'on se débarrasse d'un autre lieutenant de Yuma. Bon. Bon, bah, re-lieutenant Dumas, alors. La mort vient d'en haut. Oui, c'est cela, oui. Temple d'Akasha. 7800. Eh, ça fait un peu haut, hein. Bon, visiblement, c'est par là. Ah! Waouh. On va essayer d'atterrir en haut. Non, là. Aïe. Ah, d'accord. Ça commence super bien. J'étais en train de repérer la touche pour ouvrir le parachute.
On y retourne. Donc c'est là qu'on vise. Là, 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 là. Putain, c'est pas possible. Voilà, pour y arriver, on se met tout de suite comme ça. Ok. Bon, bah écoute. Écoutez, on va essayer de faire comme ça. Un chien. Hey Jay, je plaisantais pas quand je te disais de l'ouvrir en deux. Je vais avoir besoin de ton corps intact. Les flingues et les explosifs feraient trop de dégâts. Faudra y aller au couteau. Alors tiens, et un peu dégueu. Un vrai bonheur. Mais pourquoi faut que le corps soit intact? Oh hey Jay, m'oblige pas à te mentir. D'accord, super. Alors, ce qu'il y a bien avec la déchiqueteuse, c'est qu'il y a... J'ai un silencieux sur la déchiqueteuse. Ok, et d'un... Waouh. C'est pas bon, là. Merde! Oh putain, j'avais pas vu lui. Là, c'est un peu le fail, les amis, là. Oh putain! Oh! Bon! Allez, faut que je me mette dedans, là. Oh merde! Ah, c'est celui-là qu'il fallait tuer. Ah putain, merde, quel con. Ah zut. Bon, c'est le dernier en plus. Ah zut. Bon. Bah oui, voilà, j'avais pas... Oh putain, merde, je redémarre là. Oh putain.
faudra y aller au couteau. À l'ancienne et un peu dégueu. Un vrai bonheur. Mais pourquoi faut que le corps soit intact? Oh, AJ, m'oblige pas à te mentir. Voilà, où est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, petite caisse de munitions. Oui, non, oui, non. Il me semble que j'avais vu quelque chose par là-bas. Non. Bon. On va continuer par là. Oh, non, ça va. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Faut pas les chatouiller non plus. Ok. Oh 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 oh, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? J'aime pas. Je regarde un peu autour de moi, mais... Putain. Bah, j'entends un bruit, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. Bon, donc en fait, il vaut mieux que je les identifie avant de les buter. Bon, je pense qu'il va être un peu tout là-bas, le gars, mais il vaut mieux que je les identifie avant de les buter, parce que sinon je risque de buter le mauvais. On va monter par là. Zut, zut, zut et re-zut. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, putain! Mmh.
Voilà, j'ai identifié. C'est lui qu'il faut que je zigouille. Au couteau. Combien me reste-t-il? Voilà, c'est fait. Willis, je l'ai eu. Prends-le en photo, tu veux bien. Le boss veut une preuve. Ok, j'ai sa photo. Très bien. Retrouve-moi en bas. Bonne balade. Ouh. Bon, ça, ça peut être trop compliqué. Retrouve-moi en bas, ok. D'accord, allez. Ouais. Bon, là c'est balade entre les montagnes. Ok. Oui. Aïe. Oh putain, je me suis pris la montagne. Mais non, putain, je me suis pris le pont. Je me suis pris. Non. Non. Ah non, mais aïe. Putain, j'étais trop parti. Aïe. On va passer. Oh, je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Mon Dieu. Merde. Non, d'autre côté. Putain, j'ai tourné du mauvais côté. Wow. Oui, c'est là. Waouh. Oh merde. Ah, il fallait que je sois dessous. Merde! Je me suis pris l'hélico. Putain. Go!
Allez, on va passer par là. Waouh. On va contourner l'hélico. Putain. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Putain, alors c'est chaud là. Là c'est chaud là. Oh putain. Putain, là c'est chaud. Là c'est chaud. Oh putain, là c'est chaud. Là c'est chaud, là c'est chaud, c'est chaud. Youhou. Waouh. Eh ben les mecs, c'était plutôt chaud. Hein. T'as éliminé la cible? Ouais, je l'ai fait. On s'occupe de Yuma maintenant? Ah, il m'a dit que c'est la dernière mission. Considère ces informations comme ton dernier paiement. En fait, je t'ai fait tuer des contacts de la CIA. On fait le ménage. D'accord. Haga ne représente plus un danger potentiel pour les États-Unis. Fallait qu'on efface nos traces au pirate. Super. T'as fait un sacré bon boulot. Alors tout ce que vous m'avez dit, c'est des conneries? Ce que je t'ai dit sur ton père et ta mère, non, c'était vrai. Ce que j'ai pu te dire sur moi, t'auras qu'à lui demander. Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Désolé, fiston, mais je te l'ai dit. Tous les patriotes que je connais sont des enfoirés. Et super, il nous laisse là. Oh l'enfoiré. C'est qui lui? Non, on va s'en prendre plein la tronche. Aïe. Aïe. Acte 2 terminé. Bon, alors là, nous ça être mal. Tu lui as laissé le sac sur la tête? Bon, il a de l'air. Est-ce que tu as percé des trous pour qu'il ne s'étouffe pas au moins? Coucou! Tu t'es bien amusé avec la CIA? D'accord. Bienvenue à Dourgesh. Désolé pour cet accueil un peu spartiate. Mais tu nous as bien fait chier, pas vrai? À traficoter partout avec le sentier d'or. Et ce pauvre Paul, tu ne digères pas ce qu'il a fait à ton petit camarade. Hein. C'était quoi son nom? Du gland? Du con, du schnock. Qu'on en finisse. Du genou, pardon. Désolé que tu t'ennuies. Mais laisse-moi le préparer en douceur, Yuma. Tu vas le traumatiser. Essaie d'arrondir un peu les angles, peut-être. Comme tu veux. Tu l'as vu, il respire encore. Maintenant, va-t'en, moi j'ai du boulot. Bien, bien, bien. Mais je le veux vivant, avec tous ses membres intacts. Une dernière chose. Bon, AJ, je sais bien que c'est dur, mais considère ça comme... une suite avec une vue imprenable. Super. Et un dernier petit conseil. Ne t'endors pas trop près du bord. Super. Allez, cool. Ce que tu veux, très cher. Ah, puis lui, il reste là. Allons avec moi. Pourquoi? Allonge-toi, je te dis. Super. Je suis allongé. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Ah oh, merde. Ah oh, putain, encore un truc à la Reggie et Yogi. Checkpoint. Bon, et eh ben les amis, nous c'est un petit peu là-dessus qu'on va se laisser, je crois. Parce que là on arrive. D'accord. Non, c'est là où on se tape Yuma, c'est ça? AJ. Non, finalement non. Non merci, non ça va. Les gonzesses avec la tête à l'envers, très peu pour moi. Voilà, voilà, attention, pas près du bord. Tu rêvais d'une chute? Beaucoup de gens tombent par ici. La plupart ne se réveillent pas. C'est l'effet que cette prison a sur les spectres. Cool.
Ne jamais regarder en bas. Et ben nous, on va se laisser là. Et on fera ça la prochaine fois. Ciao, ciao.